pédaler, pédaler. On veut déjà pédaler, 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 pédaler. Tu es content, mon bicyclé. On compte en alcool, la mer. Mais ça, tu m'as mis sérieux comme au point pour bail, vous m'en voulez. Alors, mon pédaler, 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 pédaler. Tout le monde pédaler, pédaler, physique dans les bons sens, vous aimez bien. Bientôt le départ. Les chevaux viennent de s'élancer pour l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir, avec François Bernardus bien parti. One Cool Dude, Polar Royal également à l'extérieur avec Captain Fort. Polar Royal a sollicité face à Captain Fort, François Bernardus, One Cool Dude en épaisseur entre Vice Axe, Love Struck qui est en dehors de Liquid Motion. À l'arrière, il y a Bull Saras, Keep Pigeon Jones, Emerald Approach. Les chevaux sont au tombeau à l'Arctique avec donc Polar Royal qui opte pour la course à l'avant cet après-midi. Une demi-longueur d'avance sur Captain Fort. François Bernardus s'est bien placé. En épaisseur, on retrouve Ice Axe et Emerald Approach. Et puis, ça mène One Cool Dude, suivi de Love Struck. Liquid Motion en beau parcours. Bull Sarai en queue du peloton. Pour l'instant, Skip Pigeon Jones, bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Et Captain Fort qui a pris les choses en main face à Polar Royal. Emerald Approach qui passe à l'offensive maintenant à l'extérieur. Emerald Approach, Polar Royal, et Captain Fort, Ice Axe, François Bernardus en beau parcours. À l'arrière, Love Struck commence son effort avec One Cold Dude, Liquid Motion et Skippy John Jones dans la ligne droite finale maintenant avec Polar Royal qui prend le first run. On va essayer de revenir sur lui, notamment à l'extérieur. Love Struck qui est lancé à la corde, Liquid Motion. Polar Royal a toujours l'avantage cependant à l'extérieur en temps de s'amener avec Bull Sarah également qui est là. Polar Royal, Bull Sarah qui termine en bolide. Bull Sarah qui va remporter cette épreuve, le joueur numéro 1. Bull Sarah qui s'impose. Pour la deuxième place, c'est entre Love Struck et Polar Royal. Mais Bull Sarah est revenu de l'arrière pour l'emporter sous la montre de Jeannot Bardot. Départ de la septième épreuve au moins départ. Harold à l'intérieur, Ray Admiral également, tout comme Solo Captain Kingsguard. Et complètement à l'extérieur, il y a Unbridled Joy. Harold devant Unbridled Joy, puis on retrouve Ray Admiral, Solo Captain Kingsguard, Blood Buccaneer, Dustin. Donc, et en queue de peloton, il y a Prince of Troy avec Unbridled Joy, comme attendu, qui imprime le train dans cette septième épreuve. Devant Hallowed, le favori Ray Admiral suit très bien en troisième position. Ensuite, on retrouve Kingsguard, Solo Captain, Blood Buccaneer, Dustin et Prince of Troy. Unbridled Joy, pas inquiété à l'avant. Donc, peu après le tombeau malartique, devant Hallowed, Ray Admiral, course sereine pour le gris en troisième position qui va forcer cependant l'allure. Maintenant, Ray Admiral passe en deuxième position pour se mettre dans la foulée de Unbridled Joy, puis Hallowed, Kingsguard, Blood Buccaneer, Soul Captain, Dustin et finalement Prince of Troy à 600 mètres du poteau avec toujours Unbridled Joy. Voilà, Ray Admiral a pratiquement accroché Unbridled Joy, Kingsguard, puis il y a Blood Buccaneer, Hallowed, Soul Captain, Dustin et Prince of Troy à l'amorce du dernier virage. Ray Admiral paraît très très bien placé pour la victoire à l'extérieur de Unbridled Joy. Blood Buccaneer va essayer de se rapprocher tout comme Kingsguard et Dustin en pleine ligne droite. Ray Admiral est passé à l'extérieur de Unbridled Joy. Ray Admiral a l'avantage sur Unbridled Joy qui se bat quand même bien à l'avant. Kingsguard à l'extérieur de Blood Buccaneer qui termine très fort. Blood Buccaneer, Ray Admiral. Arrivé serré dans cette septième épreuve, Ray Admiral avait pris la mesure de Unbridled Joy après le dernier virage. C'est parti pour cette huitième et dernière course, 1400 mètres. Alors, Kremlin Captain sollicité, tout comme Eddie Star qui a l'avantage donc sur Kremlin Captain, ramené en deuxième position par Jeannot Bardotier qui va trouver les barres. Ensuite, on trouve City Treasure, Viento Magico, Piri et Quatile en épaisseur pour l'instant, suivi de Toro Tilo et Shanghai Kid qui ferme le cortège. Les chevaux quittent le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente avec Eddie Star qui est parti avec
3 longueurs d'avance sur le favori et Kremlin Captain. Ensuite on retrouve Pierry Ekwuatile qui joue un peu de la tête. Pierry Ekwuatile qui se retrouve à l'extérieur de City Treasure. Viento Magico, Torotino et en queue du peloton Shanghai Kidali Star qui est parti assez vite à 600 mètres de l'arrivée avec 5 voire 6 bonnes longueurs d'avance. Il creuse l'écart à l'Istar sur Kremlin Captain. Pierry Ekwuatile qui va se rapprocher City Treasure. Viento Magico va commencer son effort avec Torotino en queue du peloton Shanghai qui dans la rue du gouverneur 4 à 100 mètres de l'arrivée avec Adistar qui a toujours l'avantage. 4 longueurs maintenant sur Kremlin Captain qui tente de s'amener avec Pierry Ekwuatile. Viento Magico, les chevaux entament le dernier virage avec Adistar. Kremlin Captain qui va maintenant foncer sur lui en main. Et Kremlin Captain, Pierry Ekwuatile va faire l'effort. Kremlin Captain qui a l'avantage cependant face à Pierry Ekwuatile qui termine fort à l'extérieur. Mais Kremlin Captain va l'emporter. Victoire de Kremlin Captain devant Pierry Ekwuatile. Viento Magico, Torotino, Shanghai Kid. Alors que Adistar termine sur les genoux. Kremlin Captain, voilà Rajiv, irrésistible. Départ de la 8e et dernière course, 1600 mètres à parcourir. Alors Halabalu avec Strom. Strom à l'avantage sur Halabalu. Bright and Blue. Ensuite, on retrouve Tornado Man à l'extérieur maintenant et qui est sollicité. Tornado Man qui va essayer de se rabattre à la corde devant Strom. Bright and Blue, Halabalu. Ensuite, on retrouve Sinchona, New Star, Absalom. À l'arrière, Stunning Tiger et Double Dash ferme le cortège. En pleine montée, bientôt tombe à l'Arctique avec Tornado Man toujours à l'extérieur de Strom. Tornado Man qui s'est rabattu à la corde maintenant devant Strom. Ensuite, Bright and Blue, Halabalu, Sinchona. Sinchona qui surveille New Star qui est sur les barres. Absalom, Double Dash et Stunning Tiger. Environ 800 mètres à parcourir. Tornado Man de longueur d'avance maintenant sur Strom et Bright and Blue. Halabalu qui est en beau parcours sur les barres. Sinchona à son extérieur maintenant. New Star, Absalom qui va se placer à l'extérieur de New Star. Double Dash et Stunning Tiger à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir pour Tornado Man face à Strom. Halabalu est bien en main avec Sinchona qui va se rapprocher maintenant. Bright and Blue à l'extérieur lancé par Vinay Naiko. New Star qui commence son effort avec également Absalom. Les chevaux entament bientôt le dernier virage. Tornado Man accroché par Strom lancé maintenant par Jeannot Bardetti à l'extérieur. Strom, Sinchona va essayer de revenir tout comme Halabalu qui cherche le passage. Strom avec Halabalu qui termine fort également lancé par Daniel Moore. Strom avec Halabalu. Halabalu, Strom, Strom ou Halabalu avec Sinchona à l'extérieur. Belle arrivée. Belle arrivée ici. 4 chevaux pratiquement sur la même ligne. Difficile de vous dire qui c'est qui a gagné. New Star. Départ de cette 7e course, 1365 mètres à parcourir. Alors un bon départ pour Act of Valor. Even Chance est également sollicité à l'extérieur. Act of Valor qui a l'avantage sur Even Chance. Ensuite on retrouve Ochipan en 3e position. Cool Style, SMN Garby, Smitten. En épaisseur on retrouve Val Mahara, Catwalk Model, Batan à son extérieur. Et on ferme la marge avec Midnight Master. Les chevaux entament la descente, environ 900 mètres à parcourir. L'avantage maintenant pour Even Chance et Shrapnel Rama. Even Chance devant Act of Valor. Cool Style à l'extérieur de Act of Valor. Al-Mahara se retrouve en dehors, en épaisseur. Ochipan sur les barres. Smitten entre Al-Mahara et Ochipan. Ochipan qui joue un peu de la tête. Ensuite on retrouve Garby, Batan à l'arrière. Et bien Midnight Master qui est à l'extérieur de Catwalk Model à la rue du gouvernement. 400 mètres à parcourir maintenant pour Even Chance. Toujours devant avec Cool Style, Act of Valor en deuxième position qui fonce maintenant sur Even Chance. Ochipan qui va tendre l'ouverture. Al-Mahara est également là. Les chevaux entament le dernier virage avec Even Chance sous la menace de Ochipan à l'intérieur qui va faire l'effort. Cool Style est également là avec Smitten côté corde. Even Chance avec Ochipan qui termine de plus en plus fort côté corde. Ochipan face à Even Chance qui résiste bien. Ochipan, Ochipan qui va l'emporter dans cette course. Le numéro 1. Ochipan monté par Jeannot Bardottier qui l'emporte.
Départ de la deuxième épreuve, Destiny's Tale à l'intérieur, bien parti avec Halabaloo, Captain's Chronicle également là, tout comme Wind Glider. Mais c'est Destiny's Tale qui va lancer la course avec Captain's Chronicle à son extérieur, Seven Fountains à l'extérieur de Halabaloo, Blueberry, Ride to Tango. Puis on retrouve Wind Glider, Bright and Blue et Don't Say Don't ferme le cortège avec toujours Destiny's Tale qui a l'avantage sur Captain's Chronicle. Halabaloo suit bien dans la foulée de Captain's Chronicle, Seven Fountains. Puis on retrouve Wind Glider qui se fait déborder légèrement donc par Blueberry, Ride to Tango, et puis il y a Bright and Blue en queue de peloton donc avec l'avantage toujours pour Destiny's Tale avec l'état de la piste. Donc les chevaux, les jockeys surtout optent pour se dégager de l'intérieur de la piste. Destiny's Tale à l'avantage donc sur Halabaloo, Captain's Chronicle, Seven Fountains, puis on retrouve Blueberry, Ride to Tango, Don't Say Don't et Bright and Blue toujours en queue de peloton. Wind Glider est pas mal au milieu du peloton avec Destiny's Tale, Halabaloo à son intérieur, Captain's Chronicle, Seven Fountains, puis il y a Don't Say Don't, Wind Glider derrière, Blueberry, Ride to Tango, Bright and Blue également qui se retrouve cependant à l'intérieur. Il aura fort à faire. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale avec toujours Wind Glider maintenant qui a mis le nez devant face à Halabaloo. Wind Glider, Halabaloo. Derrière, il y a Don't Say Don't et Bright and Blue. Mais Wind Glider a l'avantage. Attention au retour de Halabaloo. Et également à l'extérieur, il y a Don't Say Don't. Don't Say Don't arrive. Wind Glider à l'intérieur. Wind Glider, Don't Say Don't. Puis il y a Seven Fountains et Halabaloo. Wind Glider résiste à Don't Say Don't qui finissait très fort à l'extérieur alors que Halabaloo... Départ de cette cinquième course, 1365 mètres à parcourir. Alors Snappy avec The Pyman maintenant. The Pyman, Snappy garde l'intérieur. Ensuite, eh bien, on retrouve Al Romanoff, Always Floating, Uli, Game Loft et en queue du peloton, Counts Rocket. Les chevaux vont quitter maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente avec le grand favori, The Pyman, qui dirige les opérations. Une longueur d'avance sur Snappy et Al Romanoff. Al Romanoff à son extérieur, Always Floating, s'amène par la suite Uli, Game Loft et en queue du peloton, Counts Rocket. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir pour The Pyman, Ride One qui gère bien jusqu'ici. Une longueur d'avance toujours sur Snappy. Ensuite, à trois longueurs, on retrouve Al Romanoff qui suit les grandes manœuvres. Uli à l'intérieur de Always Floating. Counts Rocket qui déborde à l'intérieur. Game Loft. Environ 400 mètres à parcourir maintenant pour The Pyman. Snappy dans son sillage. Al Romanoff qui commence maintenant son effort avec également Uli sous pression. Counts Rocket va essayer de s'amener dans la ligne droite finale avec The Pyman. Snappy à l'extérieur est lancé par Jeannot Bardottier. Maintenant Snappy qui passe dans un premier temps, The Pyman qui tente de résister à l'intérieur cependant avec à l'extérieur Al Romanoff lancé par Vinay Naiko, mais Snappy qui a l'avantage face à The Pyman. Snappy lancé par Jeannot Bardottier, Snappy va l'emporter devant The Pyman. Counts Rocket termine bien face à Al Romanoff, Always Floating, Uli, Game Loft, Snappy. Départ de la deuxième épreuve, en bon départ pour Captain's Bounty qui s'élance rapidement en tête avec Constellation dans sa foulée. Puis il y a le peloton composé de Bright Shining, Catwalk Model, Siddharth, Call of Courage à l'intérieur, Midnight Master, Cherish the Charm se trouve tout juste derrière Hancock's Dynasty. Captain's Bounty va contrôler la course donc devant Constellation, Catwalk Model, Bright Shining au tombeau à l'Arctique. Et puis on retrouve Call of Courage, Siddharth, Midnight Master, Cherish the Charm et Hancock's Dynasty avec l'avantage toujours pour Captain's Bounty. Un peu plus de 600 mètres à courir donc pour Captain's Bounty. Catwalk Model à son extérieur, puis on retrouve Constellation, Bright Shining, Call of Courage, Siddharth, Midnight Master, Cherish the Charm et fermant le cortège, Hancock's Dynasty. Catwalk Model va tenter maintenant de forcer un peu l'allure avec Captain's Bounty toujours aux avant-postes, puis on retrouve tout juste derrière Constellation, Call of Courage, Siddharth, Midnight Master, maintenant sollicité par Bardottier, tout comme Cherish the Charm. Hancock's Dynasty va se rapprocher également. Les chevaux maintenant entament le dernier virage avec Captain's Bounty qui va lancer le sprint final sous la menace de Constellation à l'intérieur. En pleine piste, il y a Catwalk Model, Midnight Master, Captain's Bounty à l'avantage. Constellation termine fort à l'intérieur, complètement à l'extérieur. Il y a Midnight Master, Constellation. Midnight Master va dominer Constellation. Troisième, Captain's Bounty. Midnight Master termine à la vitesse du vent, monté par Jeannot Bardottier.
en pleine piste, bien accompagné par le jockey mauricien Midnight Master, comme vous allez le voir. C'est parti pour la quatrième épreuve avec un bon départ pour Piqué Indaba My Children, comme attendu, va lancer cette épreuve devant Red Lotus. Ensuite, on retrouve Piqué, Liam, Hillbrow et fermant le cortège Mighty Mars avec Jeannot Bardetier qui va tenter maintenant de contrôler la course et ensuite de gérer Indaba My Children avec Red Lotus qui passe en deuxième position. Puis on retrouve Piqué, Hillbrow est condamné à l'extérieur de Liam et Mighty Mars toujours en queue de peloton. Indaba My Children avec Jeannot Bardetier en selle contrôle parfaitement les choses avec Red Lotus à l'extérieur. Ensuite, on retrouve Piqué, Liam, Hillbrow toujours en épaisseur et fermant le cortège à Mighty Mars. Les chevaux sont à 700 mètres du but avec toujours Indaba My Children. Solide aux commandes, Red Lotus, Piqué, Hillbrow maintenant améliore sa position. À l'extérieur, Liam également se rapproche et Mighty Mars toujours ferme la marche avec Indaba My Children à 400 mètres bientôt du poteau qui va lancer le sprint final avec Red Lotus bien dans sa foulée. Piqué, ensuite on retrouve Hillbrow, Liam et fermant le cortège Mighty Mars en pleine ligne droite. Indaba My Children maintenant va tenter de gérer à l'extérieur. Il y a Red Lotus, Piqué, puis il y a Liam à l'extérieur, mais Indaba My Children à la montade. Liam termine cependant très fort à l'extérieur. Indaba My Children, Liam, Indaba My Children gagne devant Liam. Jeannot Bardetier a pu donc poursuivre son effort jusqu'au bout. Indaba My Children pour repousser l'assaut de Liam. Dans le septième couloir et c'est parti pour cette cinquième course. 1650 mètres à parcourir avec Master Maskus bien parti. C-Major également là. Master Maskus, C-Major. Captain Thought, Recall to Life sur les barres. Suivi de King's Guard, Silver Dice, ensuite Rashid, Bastide et en queue du peloton, Emerald Approach. Les chevaux sont en pleine montée avec Master Maskus et Daryl Holland devant C-Major. Recall to Life bien placé dans le dos de Master Maskus. Ensuite Captain Pot en troisième épaisseur à l'intérieur, Toc Rouge de Rai Durawan sur King's Guard, Silver Dice. Suivi bien sûr de Rashid, de Bastide et Emerald Approach. Les chevaux entament maintenant la descente, environ 900 mètres à parcourir pour Master Maskus devant C-Major. Recall to Life est très bien placé en épaisseur. On retrouve Captain Thought, Emerald Approach qui place une première offensive avec Akash Charaz. Kingsguard est lui dans le dos de Recall to Life. Ensuite à l'arrière Silver Dice, Rashid qui passe à l'extérieur maintenant de Bastide et à la rue du gouvernement. Environ 450 mètres à parcourir, les choses qui vont commencer à s'animer. Master Maskus, Recall to Life sera dangereux. C-Major dans un tiroir pour l'instant, King's Guard, Captain Pot à l'extérieur, Emerald Approach, Rashid, Bastide qui cherche la corde dans la ligne droite finale avec Master Maskus face à Recall to Life qui va maintenant s'amener à l'extérieur. Recall to Life qui a l'avantage, King's Guard tente de s'amener Bastide à l'intérieur de Recall to Life. Recall to Life avec Bastide qui termine fort. Bastide, Recall to Life, Recall to Life, Bastide, Bastide, Recall to Life, King's Guard. Bastide, monté par Jeannot Bardetier, qui a cherché l'intérieur. Jeannot Bardetier, Recall to Life, qui versait un moment de... Départ de la septième épreuve, un bon départ à Capella à l'intérieur, mais Skywalk Luke également bien parti avec deux Fabulax qui va lancer la course face à Capella. Ensuite, on retrouve le coursier Freedom qui va choisir de suivre à l'extérieur d'Acapella. Il y a Ochipan qui va tenter de se placer face à Joe's Legacy. Fermant le cortège, on retrouve Shanghai Kid. Donc à l'avant, on a toujours Freedom maintenant qui a pris le relais face à deux Fabulax. Freedom, deux Fabulax. Puis il y a Ochipan, Acapella. On retrouve Skywalk Luke en dehors de Joe's Legacy et Shanghai Kid qui ferme le cortège. L'avantage à 800 mètres du poteau pour Freedom qui contrôle bien la course à Freedom devant deux Fabulax. En troisième position, il y a le coursier de l'écurie Gajeda à Ochipan. À son extérieur, il y a Acapella. Puis on retrouve Skywalk Luke, Joe's Legacy et puis Shanghai Kid. Les chevaux s'approchent du poteau des 400 mètres avec l'avantage pour Freedom. Deux Fabulax maintenant se fait menaçant. Ochipan
va attendre la ligne droite pour placer son accélération avec Acapella. Skywalk Luke se rapproche. Ensuite, Jose Ligesse, Shanghai Kid en pleine ligne droite. Ochipan, Freedom à l'avantage à l'intérieur. Il y a Jose Ligesse, De Fabulax en pleine piste à l'avantage. De Fabulax face à Freedom. Ochipan à l'intérieur. Ochipan termine très fort face à Freedom. Ochipan, Freedom. Ochipan s'impose devant Freedom à l'intérieur. La magnifique ligne droite de Jeannot Bardetier, alors qu'on pensait qu'il allait être battu. Ochipan. C'est parti d'ailleurs pour la deuxième épreuve. Un très bon départ pour Mr. Brightside à l'intérieur. Headstrong Harry également sollicité à l'extérieur. Puis on retrouve Joyce Legacy, Acapella, Torotino, Amber Palace et Alistair en queue de peloton. Mr. Brightside garde la corde face à Headstrong Harry, Joyce Legacy et puis Acapella. Ensuite on retrouve Amber Palace, Torotino et fermant le cortège, Alistair au tombeau malartique. Donc Mr. Brightside contrôle parfaitement la course devant Headstrong Harry, Acapella. Ensuite, on retrouve Joe's Legacy, rejoint maintenant par Torotino, derrière Amba Palace et Alistair. Pas de problème pour Mr. Brightside à l'avant, avec 800 mètres maintenant à courir, avec Headstrong Harry, Acapella à l'extérieur du gris. Puis on retrouve Joe's Legacy, Torotino, Alistair a rejoint Amba Palace. Les chevaux sont à 600 mètres du poteau avec Mr. Brightside qui a l'avantage sur le peloton. Headstrong Harry a une course tranquille, bien retenue par Jeannot Bardetier dans sa foulée. Acapella, Joe's Legacy, Torotino va attendre lui aussi la ligne droite pour placer son accélération derrière Amber Palace et Ali Star. Les chevaux maintenant entrent dans la ligne droite avec Mr. Brightside qui lance maintenant le sprint face à Headstrong Harry. Acapella, Joe's Legacy, Torotino va chercher le passage avec toujours l'avantage pour Mr. Brightside. Acapella termine fort tout comme Headstrong Harry. Headstrong Harry a mis le nez devant. Attention à Joe Ligesi à l'intérieur. Headstrong Harry, Joe Ligesi. Ensuite Torotino puis Acapella. Headstrong Harry résiste donc à Joe Ligesi à l'intérieur. Bien monté, bien conduit par Jeannot Bardetier. Départ de la deuxième épreuve, un très bon départ pour Captain's Bounty qui s'élance sans aucun problème à l'avant avec Argo dans sa foulée, Blueberry. Ensuite, on retrouve Constellation, Brazo, Catwalk Model, Hancock's Dynasty et SNS Shawl avec Captain's Bounty qui prend le train à son compte devant Argo qui se place dans sa foulée. Constellation suit également à la corde. Tout juste derrière, il y a Hancock's Dynasty, Brazo, Catwalk Model et SNS Shawl à l'avant. Pas le problème donc pour Captain's Bounty devant Argo. Ensuite, on retrouve Constellation, Blueberry à son extérieur, tout juste derrière Hancock's Dynasty, Brazo, puis il y a Catwalk Model et Sénéchal, les deux chevaux de l'écurie Vincent Allette. Captain's Bounty contrôle parfaitement les choses à l'avant, mais Argo reste bien placé en deuxième position, tout comme Blueberry et Constellation. Hancock's Dynasty également va se rapprocher. Brazo est toujours là avec Catwalk Model complètement en dehors et Sénéchal en queue de peloton. Les chevaux ont abordé le dernier virage avec Brandon Lerena maintenant qui va lancer le sprint final. Mais attention à Argo qui va se faire menaçant à l'extérieur en pleine ligne droite. Captain's Bounty, Argo Constellation va aller chercher le passage. Blueberry également, la Hancock's Dynasty à l'extérieur. Mais Argo a forcé la décision. Argo va se détacher. Victoire confortable pour Argo devant Constellation. Troisième Captain's Bounty et Blueberry. Argo gagne dans un fauteuil cette deuxième épreuve, une fois lancé à l'extérieur de Captain's Bounty à l'amorce. Voilà, c'est parti pour cette première course, 1400 mètres à parcourir, avec Fire Curtain qui se montre le plus rapide, Data Controller, Roving Consort, Data Controller, Fire Curtain à son intérieur, Roving Consort, Question Time, ensuite on retrouve Pageantry en épaisseur, Hot Wind and Fire, Samen Glory Boy qui tente de se placer devant Generous Giant, ensuite on retrouve Fidelis et Charvani en queue du peloton, les chevaux quittent le tombeau à l'Arctique pour entamer maintenant la descente, environ 900 mètres à parcourir. Pour Fire Curtain et Swapnil Rama, trois longueurs d'avance sur Data Controller. Roving Consort qui a trouvé les barres en troisième position. Question Time était en dehors de Glory Boy. Ensuite Generous Giant, Pageantry, Artwin and Fire, Fidelis et Chervani toujours ferment le cortège. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir à la rue du gouvernement maintenant. Fire Curtain qui dirige toujours les opérations devant Data Controller. Roving Consort qui a un beau parcours. Glory Boy n'est pas mal. Question Time également la Generous Giant avec Pageantry. Fidelis va essayer de se rapprocher avec Earth, Wind and Fire et Chervani
Les chevaux entament à présent le dernier virage. Fire Curtain qui tourne en tête avec Roving Consort, lancé maintenant par Roland Boutani. Il va à l'intérieur, à l'extérieur. On va essayer de faire l'effort avec Data Control là, mais Fire Curtain tient toujours le bon bout. Alors qu'à l'extérieur, on est lancé avec Generous Jump également. Fire Curtain avec Fidelis qui termine en bolide en dehors. Fire Curtain, Roving Consort à l'intérieur. Roving Consort, Fidelis. Entre Roving Consort et Fidelis. Voilà, c'est parti pour cette troisième course, 1365 mètres à parcourir. À l'extérieur, King Soldier est sollicité. À l'intérieur, Ochipan, Top of the Chalks, Cash Load dans leur siège. Ensuite, Hunting Time en épaisseur, King Soldier, Game Loft qui tente de se placer. Game Loft qui a trouvé les barres d'ailleurs très vite. Ensuite, on retrouve Checker. À l'arrière, Seven Blue Lord, Mighty Mars et Shanghai Kid. Les chevaux quittent le tombeau à l'article pour entamer maintenant la descente, environ 900 mètres à parcourir. Ochipan qui fait la course à l'avant cet après-midi avec une longueur d'avance sur Top of the Chalks, Hunting Time, Cash Load, Toc Jaune de Jean-Roland Boutani va à l'extérieur de Game Loft. Ensuite on retrouve Check King Soldier est en dehors. Ça mène Blue Load, Mighty Mars et Shanghai Kid en queue du peloton. À 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement, Ochipan, le favori taquiné un peu par Top of the Chalks, Hunting Time dans leur siège. Cash Load reste aux aguets, tout comme Game Loft qui est en beau parcours cet après-midi avec King Soldier à son extérieur. Check Mighty Mars commence son effort. Blue Load, Shanghai Kid est également lancé par Swapnil Rama. Les chevaux abordent le dernier virage à présent avec Ochipan sous la menace de Top of the Chalks. À l'extérieur, Cash Load va faire l'effort également. Ochipan qui a toujours le meilleur en ce moment face à Cash Load qui termine fort en dehors. Slamon de Roland Boutani. Mais Ochipan résiste bien et Ochipan qui va l'emporter. La deuxième place au numéro 5. Checker ensuite et Cash Load, Mighty Mars, Game Loft, Shanghai Kid, Blue Load, Top of the Chalks, Hunting Time et Kid Soldier. Ochipan, le doublé de juge du départ. Et c'est parti pour la quatrième épreuve. Il trébuche un peu Makes Me Random et arrive quand même à s'élancer en tête. Mais Bronco Buster, Red Tractor très sollicité. Château Red Tractor qui est à l'extérieur de Bronco Buster va tenter de se rabattre à la corde. Red Tractor s'est fait devant Bronco Buster. Makes Me Wonder part à deux sur son arrière-main. Ensuite, on retrouve Barney Barnato bien retenu, tout comme The Stan en queue de peloton. Avec l'avantage toujours pour Red Tractor, Bronco Buster, Derek David opte de suivre en deuxième position dans la foulée de Red Tractor, Makes Me Wonder. Ensuite, on retrouve Parado avec lui. Il y a le coursier de l'écurie Pedro, Barney Barnato et Dustin, bien retenu par Jeanne Bardotier. Va attendre donc l'emballage final. Red Tractor force l'allure un peu à 900 mètres du poteau devant Bronco Buster, Makes Me Wonder, Parado. Puis en cinquième position, Barney Barnato. Dustin ne lâche pas Barney Barnato. À 700 mètres du poteau, Red Tractor avec Bronco Buster. Situation inchangée en tête de cette épreuve, sauf que Parado maintenant va rejoindre Makes Me Wonder. Jeanne Bardossier également lance Dustin à l'extérieur. Barney Barnato va peut-être trouver l'ouverture à l'entrée maintenant de la ligne droite finale avec Bronco Buster qui fonce Red Tractor. Makes Me Wonder. Il faudra suivre Barney Barnato à l'intérieur et peut-être Dustin complètement à l'extérieur. Bronco Buster maintenant a dominé le peloton face à Dustin qui termine fort à l'extérieur. Bronco Buster, Dustin, Bronco Buster, Dustin, Bronco Buster, Dustin à l'extérieur. Dustin, Bronco Buster, Dustin, Bronco Buster. Dustin, Bronco Buster, arrivé serré entre Bronco Buster et Dustin avec un Jarnot au Bardotier encore une fois. Départ de la Barbie Cup 2015, 1600 mètres à parcourir avec Love Struck, One Cool Dude, Albert Money. One Cool Dude à l'extérieur pour l'instant de Love Struck, Albert Money à l'extérieur avec Daniel Moore. Ensuite on retrouve Polar Royal, Captain Foot, Raim à l'extérieur, Samen Abington et en queue du peloton Bulsara en pleine montée avec donc Albert Money. Daniel Moore en tête de la course, une longueur d'avance sur Love Struck. Raim maintenant qui passe à l'extérieur de Love Struck. Ensuite One Cool Dude, le favori en dehors de Polar Royal.
Par la suite, Abington à l'extérieur lui-même de Captain Foote et Bull Sarah. Les chevaux entament la descente, 900 mètres à parcourir avec Albert Money, talonné maintenant par Reim. Reim à l'extérieur de Albert Money. Un beau parcours pour Love Struck et Swapnil Rama en troisième position. One Cool Dude qui reste aux aguets en dehors. Polar Royal en embuscade. Ensuite, Abington, Captain Foote et toujours dernier, Bull Sarah. À la rue du gouvernement, environ 500 mètres à parcourir à présent. Pour Reim à l'extérieur de Albert Money, Love Struck, très bien placé avec One Cool Dude qui démarre maintenant avec Polar Royal également lancé à l'arrière. Bull Sarah commence son effort avec Abington. Les chevaux entament le dernier virage à présent avec Polar Royal, One Cool Dude lancé à l'extérieur par Brandon Lerena complètement dehors. Il y a Bull Sarah qui termine en bolide également lancé par Jean de Bardetier. Polar Royal est là également avec Bull Sarah en dehors à l'intérieur. Love Struck, Bull Sarah qui a l'avantage cependant. Voilà, c'est parti pour cette troisième course, 1500 mètres à parcourir. Fieri et Quatile bien parti avec Ouli maintenant. Ouli qui va essayer de se rabattre à la corde devant Hillbro qui vient très tôt se placer à l'extérieur de Ouli. Ouli avec Hillbro qui va essayer lui aussi de diriger les opérations. Voilà Hillbro qui tente finalement ce coup tactique avec Jeannot Bardotier. En deuxième position, Ouli. Ensuite, on retrouve Fieri et Quatile. Elle s'amène à son extérieur, Trianus, suivi de Lion Sprint. Un peu lent au départ, Lion Sprint. En épaisseur, il y a The Flying Machine, Rocketeer Blues et Cherbourg qui ferment le cortège. Environ 900 mètres à parcourir avec Hillbro qui dirige les opérations. Une longueur d'avance sur Trianus. Ouli. Ensuite, on retrouve Lion Sprint qui est à l'extérieur en épaisseur. Un parcours difficile pour The Flying Machine, Rocketeer Blues à l'extérieur de Fieri et Quatile et Cherbourg en queue du peloton à la rue du gouvernement. 500 mètres de l'arrivée maintenant avec Hillbro le favori, toujours en solide meneur devant Trianus, Ouli, Lion Sprint, The Flying Machine, Fieri et Quatile en main. Sur les barres, ensuite Rocketeer Blues qui commence son effort avec Cherbourg. Les chevaux entament le dernier virage avec Hillbro lancé maintenant par Jeannot Bardotier. Fieri et Quatile va chercher le passage à l'intérieur, mais Hillbro qui a toujours le meilleur cependant à l'extérieur. Trianus va essayer de faire l'effort. Hillbro tient le bon bout pour l'instant face à Trianus. Hillbro qui va remporter cette épreuve devant Fieri et Quatile. Ensuite on retrouve Trianus, Rocketeer Blues et les autres. Hillbro de bout en bout, monté par Jeannot Bardotier, qui a joué le coup. Et les chevaux qui viennent de s'élancer pour cette cinquième course, 1600 mètres à parcourir. Un excellent départ pour Red Tractor. Unbridled Joy dans son sillage, Blood the Buccaneer. Ensuite, on trouve C-Major, Rashid et Grace Champ en queue du peloton. Les chevaux, donc, qui vont bientôt passer devant le but pour la première fois. Avec l'avantage à Red Tractor devant Unbridled Joy, Blood Buccaneer dans son sillage. Ensuite, ça mène C-Major Rashid. Et en queue du peloton, on retrouve toujours Grace Champ au tombeau malartique. Red Tractor qui n'est pas inquiété. Une longueur d'avance sur Unbridled Joy et Blood Buccaneer, le favori bien placé en troisième position. C-Major qui n'est pas mal non plus. Ensuite, on retrouve toujours Rashid et Grace Champ. Les chevaux entament la descente. 800 mètres maintenant de l'arrivée. Red Tractor qui sera sans doute dangereux dans ces circonstances. Unbridled Joy, Blood Buccaneer va attendre la ligne droite finale. C-Major à l'extérieur de Rashid et Grace Champ à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir. Red Tractor, les choses commencent à s'animer maintenant. Unbridled Joy, Blood the Buccaneer entre Red Tractor et Unbridled Joy. C-Major va se rapprocher avec Rashid également et Grace Champ, Blood Buccaneer qui passe franchement à l'offensive. Les chevaux entament maintenant le dernier virage. Blood the Buccaneer face à Unbridled Joy. On va essayer de revenir avec C-Major également, mais Blood Buccaneer qui a toujours l'avantage cependant à l'extérieur. Grace Champ également lancé par Swapnil Rama. Blood the Buccaneer avec C-Major qui termine fort à son extérieur. Blood Buccaneer, C-Major, Rashid à l'intérieur. Blood Buccaneer devant C-Major et Rashid. Grace Champ, Unbridled Joy et Red Tractor. Blood Buccaneer qui ne commet point d'erreur ici. C'est parti pour cette première course, 1400 mètres à parcourir. Fire Curtain, Roving Consort est sollicité. Fire Curtain a l'avantage sur Roving Consort. Put Foot Singe en troisième épaisseur pour l'instant. In the Frame, Kowloon Bay. Ecta Tiger qui tente de se placer devant Ritz Cocktail. Ensuite, on trouve Hopes and Desires, Grand B, fermant le cortège.
Albert's Day. Les chevaux sont maintenant au tournoi à l'Arctique avec Firecurity, une fidèle à son habitude, qui dirige les opérations en deuxième position. Eh bien, on retrouve Roving Consort. Roving Consort avec Putfoot Singe à son extérieur. Ensuite, Kowloon Bane, The Frame en dehors. Et Tiger Ritz Cocktail. À l'arrière, il y a Albert Day, Hopes and Desires et Grand B qui ferme le cortège. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette première course. Firecutting qui n'est pas inquiété, une longueur d'avance toujours sur Putfoot Singe. Roving Consort, un beau parcours en troisième position. Ensuite, eh bien, Kowloon Bay qui n'est pas loin, Ecta Tiger en épaisseur in the frame, Ritz Cocktail, Albert Day va se rapprocher maintenant avec Hopes and Desires en dernière position pour l'instant avec Grand B. Les chevaux entament le dernier virage avec Firecutting toujours devant l'intérieur. Kowloon Bay va faire l'effort à l'extérieur, Roving Consort et Putfoot Singe, mais Firecutting tient le bon bout pour l'instant in the frame, lance également par Alvin Roy. Putfoot Singe là avec Roving Consort, Firecutting avec Ecta Tiger, Putfoot Singe, Roving Consort, Ecta Tiger, Firecutting, Ecta Tiger qui va l'emporter. Victoire de Ecta Tiger face à Roving Consort, Kowloon Bay, Firecutting. C'est parti pour l'épreuve principale Ryder Cup. Très bien parti avec Tan Raji dans sa foulée. Twitter également et Albert Monet en quatrième épaisseur. Puis on retrouve Recall to Life, Kalinago, Liquid Motion, Tales of Bravery, François Bernardu, c'est Krug Run. C'est Twitter donc qui dirige le peloton avec Albert Monet dans sa foulée. Ryder Cup suit en troisième position. Tan Raji en quatrième position. Puis on retrouve Recall to Life, Kalinago. Derrière, il y a Liquid Motion, Tales of Bravery, François Bernardu, c'est finalement Krug Run. Twitter donc creuse l'écart en tête de cette épreuve sur Albert Monet. Puis on retrouve Ryder Cup, Kalinago derrière Tan Raji, Recall to Life, Liquid Motion, Tales of Bravery, François Bernardus et Krug Run. Les chevaux vont passer bientôt à la rue du gouvernement avec Twitter qui tient le bon bout face à Albert Monet. Ryder Cup est toujours bien placé, tout comme Kalinago, Recall to Life, en embuscade, Tales of Bravery, Tan Raji tout juste devant lui. Derrière, il y a Liquid Motion, François Bernardus, et finalement Krug Run qui amorce son attaque à l'extérieur. Les chevaux entrent maintenant dans la ligne droite finale avec Albert Monet, Ryder Cup à l'extérieur, Tan Raji entre les deux. Albert Monet, Tan Raji, Ryder Cup. Tan Raji a mis le nez devant, mais Ryder Cup, son compagnon d'écurie, termine fort à l'extérieur. Ryder Cup, Tan Raji, Tan Raji, Ryder Cup. Tan Raji monté par Jeannot Bardottier. Par Ryder Cup, troisième Recall to Life. Quatrième, François Bernardus. Tan Raji, bien monté par Jeannot Bardottier. Départ de l'épreuve de clôture, un bon départ pour Lord Hall et Power Dive à l'intérieur. Power Dive garde l'intérieur, Lord Hall, puis on trouve Star Spangled Banner, Millennium Star, King's Advisor, Hunting Time. À l'extérieur, il y a Cool Style, Brazo, derrière Big Lion et Sénéchal. Avec Lord Hall qui s'installe fermement en tête de cette épreuve. Avec Power Dive, Star Spangled Banner va passer en deuxième position devant Power Dive. Puis on retrouve Cool Style en épaisseur, King's Advisor également bien placé. Millennium Star, Brazo, Hunting Time. Derrière, il y a Big Lion et Sénéchal. Donc, l'avantage toujours pour Lord Hall qui entame très bien sa course devant Star Spangled Banner. Puis, on retrouve Power Dive bien placé, Cool Style en dehors, King's Advisor, Millennium Star à l'intérieur de King's Advisor, le favori. Brazo, Hunting Time. Puis, on retrouve Big Lion et Sénéchal. Lord Hall tient le bon bout avec Star Spangled Banner qui reste très dangereux. Power Dive également très bien placé, Cool Style, Millennium Star n'est pas mal non plus avec le nouveau King's Advisor. Derrière, il y a Brazo, Big Lion à l'extérieur, Hunting Time et Sénéchal. Lord Hall lance maintenant le sprint final. À l'intérieur, il y a Power Dive, Lord Hall, Power Dive. Millennium Star ne participera pas à la lutte pour la victoire. C'est Lord Hall qui va résister à Power Dive à l'intérieur. Lord Hall s'impose devant Power Dive. Ensuite, on retrouve Millennium Star et à l'extérieur, Star Spangled Banner. Lord Hall repousse l'assaut de ses différents... Départ de cette cinquième course, 1600 mètres à parcourir. Alors, Makes Me Wonder, Aspen Empress. Aspen Empress montre le plus rapide face à Makes Me Wonder. Bals, ensuite on retrouve Castle, Castle devant Bals qui a trouvé les barres. Donc à l'avant Aspen Emperor, Blaze of Noon. Ensuite on retrouve Makes Me Wonder, Parker, Castle, Wonder Kid, Bals à son extérieur, Pont d'Avignon et de Stan, fidèle à son habitude, ferme le cortège. Les chevaux sont au tombeau balartique
Aspen Emperor qui dirige les opérations une longueur d'avance sur Blaze of Noon qui évolue à l'extérieur de Makes Me Wonder. Ensuite on retrouve Parker avec Castle qui lui va garder la corde, il est en cinquième position, suivi de Wonder Kid, Balls le gris à l'intérieur de Wonder Kid, à l'arrière Pont d'Avignon le favori, et Dustin, bientôt plus que 700 mètres à parcourir dans cette épreuve. Aspen Emperor taquiné un peu par Parker qui va mettre la pression. Makes Me Wonder est bien placé, Blaze of Noon. Wonder Kid va commencer son effort, Castle va attendre l'ouverture, Pont d'Avignon va se rapprocher, Balls est déjà sous pression, Dustin a également lancé maintenant par Jeannot Bardottier à 400 mètres de l'arrivée. À Aspen Emperor qui tient toujours le bon bout face à Parker. On tente de s'amener avec Makes Me Wonder. Dustin est lancé de loin. Castle va essayer de passer à l'intérieur. Aspen Emperor, donc l'outsider qui a toujours l'avantage dans cette épreuve, alors que Dustin va bien terminer à l'extérieur. Mais Aspen Emperor tient toujours le bon bout face à Dustin qui termine de plus en plus fort. Aspen Emperor avec Dustin. Dustin qui va l'emporter devant Aspen Emperor. Jeannot Bardottier sur Dustin qui l'emporte pour venir reprendre l'extrême outsider qui était Aspen Emperor. Voici le premier départ de la journée. Kta Tiger bien parti. Question Time, Don't Tell Mama sollicité. Bongo Beat, Cool Style retenu. Joyful, Billy Bojangles sur les barres. En quatrième position, cinquième position même, Billy Bojangles. Ensuite, on trouve Black Gambit, Big Lion, Cool Style se retrouve à l'extérieur de Big Lion. En queue du peloton, il y a Anaconda Moon. Les chevaux vont quitter maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. Environ 1000 mètres à parcourir pour Question Time devant Bongo Beat. En troisième position, Don't Tell Mama, Kta Tiger, Joyful, Billy Bojangles le favori, juste devant Cool Style, Big Lion, Anaconda Moon et Black Gambit. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette épreuve. Question Time qui gère bien avec Kevin Ganoa. Bongo Beat, Don't Tell Mama est très bien placé. Joyful et Kta Tiger est pas mal. Cool Style maintenant passe quelque peu à l'offensive. Il est à l'extérieur de Kta Tiger. En épaisseur tout de même, Cool Style. Billy Bojangles, Big Lion à l'intérieur, à l'arrière. Anaconda Moon, Black Gambit va attendre l'ouverture. Les chevaux entament bientôt le dernier virage avec Question Time. Don't Tell Mama sera dangereux à l'extérieur. Bongo Beat et Kta Tiger est lancé. Billy Bojangles va maintenant chercher le passage. Et Kta Tiger à l'extérieur face à Question Time. Billy Bojangles tente de s'amener. Et Kta Tiger qui a l'avantage cependant face à Question Time. Et Kta Tiger, Billy Bojangles à l'extérieur. Et Kta Tiger devant Question Time. Billy Bojangles et Kta Tiger qui a penché un peu à l'intérieur dans la ligne droite finale. C'est parti pour la septième épreuve. Voilà un bon départ. Evergreen à la lutte avec Power Dive pour le commandement. Kingdom Ski ne se laisse pas faire à l'intérieur. Puis on retrouve Social Network retenu par son jockey. To Be a Star. Puis il y a Keep Walking, Tigre Libre, Smitten, Highland Jet et Capiti Coast. À l'avant donc, finalement, c'est Kingdom Ski qui est parti au tombeau malartique avec Evergreen qui va suivre tranquillement dans sa foulée. Ensuite, on retrouve Power Dive. Ces trois chevaux s'étaient montrés les plus véloces. Puis Social Network, To Be a Star, Tigre Libre tout juste derrière avec Smitten à son extérieur. Puis on retrouve Keep Walking, Highland Jet, Capiti Coast est passé maintenant à l'extérieur de Keep Walking. À l'avant, Kingdom Ski a toujours l'avantage sur Evergreen qui court bien dans son sillage. Ensuite, on retrouve Social Network, Power Dive, Smitten toujours en dehors, Tigre Libre toujours derrière Keep Walking, To Be a Star, Capiti Coast et Highland Jet. Kingdom Ski maintenant pourchassé par Evergreen qui va arriver à son extérieur. Evergreen accroche Kingdom Ski qui fait de la résistance pour l'instant. Ensuite, à l'intérieur, il y a Tigre Libre. Mais pour l'instant, Evergreen. Evergreen a mis le nez devant, lancé par Jeannot Bardottier. Personne ne battra Evergreen qui gagne facilement cette septième épreuve. Devant Capiticos, Power Dive, ensuite Smitten. Simple formalité pour Evergreen. Départ de cette cinquième course, 1500 mètres à parcourir avec Valère sollicité. The Pyman, Captain Magpie. Valère qui a l'avantage sur The Pyman, Captain Magpie. Ensuite, Kremlin Captain, Chinese Gold. À l'arrière, il y a Hillbro et Balls qui ferment le cortège. Les chevaux entament la montée avec Valère, donc, qui mène le peloton. Avec une longueur d'avance sur The Pyman, Captain Magpie, Kremlin Captain
et quatrième sur les barres. Ensuite, Chinese Gold, Hillbrow et Ball sans queue du peloton. 1000 mètres à parcourir, les chevaux entament la descente maintenant. Valère qui n'est pas inquiété avec Nitty Foodit. Mais toujours une longueur sur The Pyman, Captain Magpie qui évolue à l'extérieur, lui, de The Pyman, qui va essayer de mettre un peu la pression maintenant. Kremlin Captain est sur les barres, quatrième avec Hillbrow qui va s'amener. Hillbrow qui va essayer de s'amener à l'extérieur, mais se retrouve toujours en dehors de Chinese Gold. Les Bals ferment le cortège, environ 500 mètres à parcourir. Alors, Valère nullement inquiété, Captain Magpie avec The Pyman, Kremlin Captain bien en main en quatrième position. Hillbrow commence son effort avec Chinese Gold et Bals qui est maintenant lancé. Les chevaux entament le dernier virage avec Valère. Kremlin Captain prend l'option l'extérieur avec The Pyman, Chinese Gold à la corde à l'extérieur. Donc Kremlin Captain qui va accélérer face à Valère, Captain Magpie, The Pyman, Chinese Gold, Kremlin Captain à l'extérieur. Kremlin Captain, Hillbrow va essayer de faire l'effort, mais personne ne battra Kremlin Captain devant Hillbrow. Troisième Chinese Gold. Le seul capitaine à bord, Kremlin Captain. Huitième victoire d'affilée. Et bien, départ de cette huitième et dernière course, 1650 mètres à parcourir. Alors, Blueberry, Rebels Game à l'extérieur, Arabian Empire qui est sollicité, mais l'avantage pour l'instant à Rebels Game devant Arabian Empire qui va venir taquiner un peu Rebels Game, Rebels Game, Arabian Empire. Ensuite, on trouve Blueberry, Torero Dancer, ça mène Wingman, Shield of Thunder, Lancewood, Rebels Game. Donc, qui dirige les opérations, Arabian Empire en deuxième position, suivi de Blueberry, tranquille troisième, Torero Dancer, Wingman dans son sillage. Ensuite, Lancewood et Shield of Thunder. Les chevaux sont au tombeau malartique. Rebels Game et Raidura One dirigent toujours les opérations. Devant Arabian Empire, qui se porte à l'extérieur maintenant de Blueberry, qui est bien placé. Torero Dancer également bien en quatrième position. Lancewood, Wingman. Et fermant le cortège, il y a Shield of Thunder, 800 mètres à parcourir. Rebels Game n'est pas inquiété et peut se montrer dangereux dans ces circonstances. Arabian Empire reste à l'extérieur, lui, de Blueberry, qui a un beau parcours. Ensuite, on retrouve Torero Dancer, Wingman. À l'arrière, il y a Lancewood, Shield of Thunder à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir. Rebels Game devant Blueberry, Arabian Empire, Torero Dancer, Wingman. Va maintenant se rapprocher avec à l'arrière Shield of Thunder et Lancewood. Les chevaux entament le dernier virage. Alors Rebels Game, Torero Dancer qui va démarrer maintenant, mais Rebels Game a toujours l'avantage face à Torero Dancer. Wingman va aller chercher la corde. Rebels Game tient bon avec maintenant Torero Dancer qui termine bien à l'extérieur. Torero Dancer face à Rebels Game. Torero Dancer qui va remporter cette course, la deuxième place à Rebels Game. Troisième, ce sera Wingman ou Blueberry. Torero Dancer, le 3, monté par Jeannot Bardottier, qui remporte cette dernière. Départ de cette deuxième course, 1400 mètres à parcourir. Mr. Brightside, Hancock's Dynasty, Joe's Legacy Evergreen à l'extérieur. Ensuite, Roman Express, je n'ai un peu ici Roman Express. Call of Courage qui va essayer de se placer devant Roman Express. C'est fait pour Derek David. Ensuite, Catwalk Model. Et puis, on retrouve à l'arrière Raven Tess. Les chevaux sont au tombeau malartique. Mr. Brightside qui dirige les opérations devant Evergreen en troisième position. On retrouve Hancock's Dynasty, Joe's Legacy en cinquième position, le favori Call of Courage. Ensuite Roman Express, Catwalk Model. Et en queue du peloton, il y a Raven Tess. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir dans cette épreuve. Mr. Brightside et Mark Nages, nullement inquiétés en tête. Une longueur d'avance sur Evergreen. Hancock's Dynasty bien placé en troisième position. Voilà que Roman Express va se rapprocher à l'extérieur de Call of Courage. Devant eux, eh bien, il y a Joe's Legacy ici à l'arrière. Catwalk Model, Raven Tess va maintenant commencer son effort sous la montre de Raidura One. Environ 300 mètres à parcourir. Les chevaux entament bientôt le dernier virage avec Mr. Brightside taquiné par Evergreen. Hancock's Dynasty va chercher les barres maintenant avec Mr. Brightside. Evergreen lancé par Jeannot Bardottier à l'extérieur. Evergreen, Call of Courage va chercher le passage. Evergreen face à Hancock's Dynasty côté corde. Mais Evergreen a toujours le meilleur face à Call of Courage. Evergreen s'impose devant Hancock's Dynasty, Call of Courage. Catwalk Model qui revenait bien, mais Daryl Holland n'a pu monter son cheval comme il le fallait, a été un peu, n'a pu trouver le passage. Catwalk Model
Départ de la deuxième épreuve, très sollicité, Straight Jab à l'intérieur avec Epicenter dans sa foulée, Sail to Paradise. Fire Curtain complètement à l'extérieur va disputer le commandement à Epicenter. Fire Curtain a une tête d'avance à Epicenter, puis on retrouve Straight Jab, Hunting Time, Sail to Paradise, Bright Shining, Ambassador X, Wonder Lane et Don't Say Don't en queue de peloton. Avec Fire Curtain qui s'est rabattu à la corde devant Epicenter, ensuite Straight Jab, et voilà maintenant que Don't Say Don't Hunting Time va passer à l'extérieur de son compagnon d'écurie, donc Hunting Time va talonner bientôt donc le meneur, à savoir Fire Curtain, Hunting Time, puis on retrouve Epicenter, il y a Straight Jab, Sail to Paradise, Bright Shining, Wonder Lane, Ambassador X et Don't Say Don't. Enfin, toujours à l'arrière-garde du peloton, Fire Curtain a toujours l'avantage. Hunting Time, toujours là, sur son arrière-main. Epicenter, Straight Jab, bien placé. À l'extérieur d'Epicenter, Bright Shining, Sail to Paradise, Wonder Lane, Ambassador X, et puis Don't Say Don't qui se rapproche d'Ambassador X. Les chevaux ne vont pas tarder à tourner dans la ligne droite finale avec Fire Curtain, poursuivi par Hunting Time. Straight Jab va se mettre en évidence à l'extérieur. Don't Say Don't complètement à l'extérieur. En pleine ligne droite maintenant, Fire Curtain. Don't Say Don't à l'extérieur, mais Straight Jab également, l'Ambassador X est lancé également par Jeannot Bardetier, et Straight Jab à l'extérieur, Ambassador X lancé par Jeannot Bardetier domine sans problème Straight Jab et Epicenter. Ambassador X sans problème donc pour la monture de Jeannot Bardetier. Il a pris son temps pour. Il faudra bien sûr battre Jambaman. Trianius, également généreux dans l'effort. Jambaman. Apple Pie. Le premier couloir pour lui. Blueberry. Qui a conservé une bonne condition physique. L'imposant Apple Pie. Blueberry. Bientôt le départ. Départ de cette troisième course, 1500 mètres à parcourir, avec Apple Pie à l'intérieur, Windglider sollicité, Jambaman va chercher une place dans leur siège, Windglider, Apple Pie, Spin a Coin, Mount Hillaby, Jambaman à l'arrière, il y a Trinus et Blueberry, c'est Windglider qui donc dirige les opérations face à Mount Hillaby qui évolue à l'extérieur, ensuite Spin a Coin, troisième sur les barres, Apple Pie. Il y a Blueberry qui passe maintenant à l'extérieur de Apple Pie et de Mount Hillaby pour essayer de forcer même l'allure. Jambaman et Trianius, les chevaux entament la descente, environ 900 mètres à parcourir. Windglider face à Blueberry qui va essayer de faire comme la dernière fois, mais Niven Mardé qui garde sa position sur Windglider. Blueberry, Mount Hillaby, Spin a Coin, Apple Pie. Ensuite, à l'arrière, il y a Trianius, c'est le favori en dernière position, à savoir Jambaman, bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Windglider, Blueberry toujours calé sur son extérieur, Spin a Coin, Mount Hillaby, Apple Pie est en dehors et qui amorce son attaque avec Trianius, et Jambaman est toujours en dernière position mais commence tout de même son effort. Les chevaux entament bientôt le dernier virage, 300 mètres à parcourir avec Windglider, Blueberry, Apple Pie à l'extérieur qui se montre dangereux, Jambaman complètement en dehors dans la ligne droite finale maintenant avec Apple Pie lancé par Jeannot Bardetier. Jambaman va terminer fort en dehors. Apple Pie, quel avantage face à Jambaman et les autres. Apple Pie lancé par Jeannot Bardetier. Apple Pie avec Trianius. Apple Pie va l'emporter devant Speed Coin, Trianius et les autres. Apple Pie bien emmené par Jeannot Bardetier. Et ça, tu m'as mis à l'amour, pédaler, 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 pédaler.